Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche ici pour recevoir toutes les notifications relatives à la chaîne. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Ciao, ciao! Qu'on meurt à cette heure-ci, mais comme il fait une sortie un peu plus puissante que je le pensais, on va plutôt jouer la sûreté. Waouh! Ah ouais, lance-flamme carrément. La lance de flamme, je pensais pas qu'il aurait ça. Ok, là, il se met vraiment bien. A few moments later. Et on va, je pense, mettre une marque de lotus, histoire de se mettre pas trop mal, voilà. Histoire qu'il puisse pas prendre les trades un peu trop facilement. Et là, regardez comment on le met en PLS juste en un tour avec cette carte. En fait, voilà les gars, je pense que c'est une carte qu'il faut pas trop sous-estimer. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, et du coup, on a perdu. Spectaculaire. Au revoir! On commence à me saouler un peu, il va falloir mettre une pression. Donc on joue le racketteur. Voilà, donc lui il joue chef de jade. Ok. Alors ce qui est chiant avec les 5-5, c'est que voilà, mon coup de tonnerre il fait 4 points de dégâts. Donc là c'est pareil, si je pouvais avoir encore une fois un peu de chance, ça serait sympa. Sinon je pense que là c'est totem langue de feu. Et je mets un autre racketteur ici en fait les gars. Je pense que c'est le mieux que j'ai à faire parce que regardez comme ça je prends les trades ici. Et là hop là regardez le board qu'on a, on est beaucoup plus solide. Et voilà, bon là il va forcément je pense du coup taper. Soit il tape la 8-4. Non je pense qu'il. Ouais non non non. De toute façon je pense que pour lui c'est indispensable de se débarrasser de la 0-3. Du petit totem langue de feu. Donc soit il a un éclair. Donc je sais pas ce qu'il va faire à ce tour-ci. Donc là il a l'arme crocro. Ok. Et il fait furie sanguinaire. Ah non les gars, me dis pas qu'il me tue. Oh non les gars, me dis pas qu'il me tue. Me dites pas qu'il me tue. 11. Le Roar, totémique, ouais. Ce qui est raisonnable. Et il termine avec 2 PV au totem, ouais. Ok. Bon, ça pas grave. Le totem, on s'en fout un peu. Ça reste des 1-3, c'est pas très grave. On serait bien ici avec. Ouais, je vais mettre. De toute façon, là, je vais mettre le Drake. Ouais, on aurait. Ouais, non, franchement, on serait mieux quand même avec un bon balayage. Alors, je fais ça là-dessus. Et je pioche une carte. Ça me paraît pas mal. Et ok, on a bien de la. On a bien du heal, là, c'est cool. On peut déjà se rendre. Ouais, on peut se rendre 12 PV et invoquer des grosses créatures. Donc, on est pas mal au niveau de ça. Ok, totem langue de feu. Du coup, il va prendre le trade sur la 4-1. Ah, même pas! Bon, elle comptait pas, on va relancer une. Se donne de la vie, tout simplement, voilà. Allez, maintenant on va dans sa gueule. Toc, 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 toc. Bon, mis à part s'il a vraiment fait une grosse sortie, je vois pas comment il pourrait s'en sortir.
En plus de ça, voilà, il joue plus. Je crois qu'il a arrêté de jouer. Donc c'est, bah voilà, c'est une win pour cette partie. Ça fait plaisir. Voilà, pour une fois que je ne perds pas en vidéo, au moins c'est cool. Hop, donc je vais envoyer. Est-ce que je peux le finir à ce temps-ci? Et oui, c'est bon. Parfait, le compte y est. Allez, bien joué en tout cas à Kerebs.